Voilà, donc la première démo, donc c'est Tornoway. Donc c'est développé et édité par Perel Soc. C'est leur premier jeu. Pour l'instant, la date de sortie sera annoncée un peu plus tard. Hop, voilà, je mets dans le chat un petit lien vers la page Steam si vous voulez en voir et en savoir plus. Et donc, concernant le jeu, donc il y aura à la sortie des sous-titres français. Là, la démo, il y a aussi les sous-titres français, donc ça, c'est super cool. Et donc, pour le petit résumé, vivez la tragédie de la Seconde Guerre mondiale du point de vue d'une enfant. Arrachée à votre foyer, vous êtes déportée dans un camp de travail forcé. Vous devez survivre sans perdre votre humanité dans un monde déchiré par la guerre où seuls les plus forts s'en sortent. Donc, bon, on est sur de la joie, de la bonne humeur, bien sûr. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, dédié à tous les enfants et civils affectés par la guerre. Soutenez-vous les uns les autres. 1944, la Seconde Guerre mondiale se déroule en Europe. Il y a 2 ans, Asia, 10 ans, et sa mère ont été emmenés de force à Stalingrad. Ils sont devenus des Ostarbeiter, des travailleurs dans un camp de travail de l'Allemagne nazie. Ils ont passé de nombreux mois difficiles en détention, mais Asia s'est miraculeusement échappée. Elle n'a plus d'autre choix que d'essayer de rentrer chez elle. Je sais que t'es fatiguée, je sais que c'est difficile. Camarade Moufle. Ah d'accord, ces petites moufles, elles lui parlent, ok. Bon, vaut mieux essayer d'avoir quelqu'un à qui parler, parce que la solitude, ça doit être compliqué. Hein. But we have to keep going. Il faut continuer, quoi qu'il arrive. If we don't, the cold will get us, or worse. Si on s'arrête, c'est le froid qui nous aura, ou pire. Ok. Ah, donc là, en appuyant sur E. Ok. Bah déjà, c'est pas mal, le fait de pouvoir passer les dialogues avec le clic gauche, au moins ça permet de ne pas se dépêcher pour les lire. Alors par contre, j'avance comment? J'avance comme ça? Ah d'accord, ok. On avance avec les flèches directionnelles. Pas de problème. N'hésitez pas à me dire pour le son ou autre, hein, si vous n'entendez pas. Et là, j'appuie sur quoi? Sur E? Ah, sur O. Ok. Aujourd'hui, c'est notre jour de chance, je le sens. Bah ouais, on va espérer être recueillis et peut-être manger, non? Je sais pas, je pense qu'on n'a pas mangé depuis un bout de temps. Hé, regarde, un lièvre, pour de vrai. Essayons de nous rapprocher. Oula, va falloir chasser. Doucement. Ah, le problème, c'est que je... À part appuyer tout doucement, je peux pas faire grand chose. J'ai le lièvre. What? N'aie pas peur, petit. On ne te veut aucun mal. Je pense que si, ils vont essayer de le tuer, non? Peut-être que tu peux nous aider? On voudrait aller à... Shift, Alt... Oula. Il a décampé! Ça fait rien. Je suis sûr qu'on peut le rattraper. Un bon civet de lièvre, rien de tel pour se réchauffer. Bon, t'as pas l'air d'accord. Oui, je comprends. Tout ce que tu veux, c'est lui donner à manger et le caresser. Bah oui. Coucou Pacatra, comment tu vas? Ouais, c'est ça, on est toujours dans la neige, ouais. La moufle est optimiste, ouais, la moufle y croit. On va continuer à avancer. Bon, de toute façon, moi, j'avais pas envie de tuer le lapin, hein, personnellement. Alors, oui, je sais, on meurt de faim. Oulala. Alors, attends. C'est ça. Attendez, hein, que je comprenne les touches. Hein. Ah, non, mais je peux faire avec les flèches directionnelles. Bon, c'est parfait. Tu es agile comme un singe? Je ne me souvenais pas que tu savais grimper aux arbres. Ah, faut que je me baisse là. Est-ce que je fais ça? Alors par contre, on ne m'a pas dit comment me baisser. On ne pourra pas sauter par-dessus. Va falloir passer en dessous. Oui, bah c'est parce que j'ai appuyé juste sur espace pour tester. Comment je me baisse?
Attends, est-ce que j'ai un truc avec les contrôles ou pas du tout? Si, ça serait pas mal. Non, sit down, stand up, CTRL, ok. Oula. Yes, retour. Hop. J'espère qu'on va pas s'en prendre un comme ça sur le crâne. Ah bah, j'espère aussi. C'est ça. Alors, ah oui, donc attends, on va faire comme ça. Et ça et ça. Ah, j'avoue que dur dur de passer par le par là. Hein. Voilà un aigle que je ne suis pas près d'oublier. Je me demande combien de temps ça fait qu'elle est là, cette boîte. Bah, on sait pas, mais ça peut être cool du coup de voir ce qu'il y a dedans. J'espère qu'on ne croisera pas de soldats. Ouais, moi non plus. Alors. Ah, et je la bouge comme ça. Ah, pour monter là-bas, ok. Yes. Et du coup. Qu'est-ce que tu fais, Micheline, là? Ah oui? Il fallait que je la pousse ailleurs? Ah mais non! Ah mais non! Attendez. J'ai oublié que je pouvais sauter. Et regardez-moi ça, agilité. Cirque du soleil. Ah, le lapin. Ah non, j'ai pas envie de le tuer, hein. Hé, je te reconnais, toi. Attrape-le. Non. Maintenez la touche mage en vous déplaçant pour aller plus vite. Oui, je sais, mais j'ai pas envie, en fait. Puis alors là, je sais pas s'ils ont vu. Ah, je suis tombée comme un cake. Je sais pas s'ils ont vu comment on court, mais je pense que ouais, le lièvre a une très très bonne longueur d'avance sur nous, hein. Ah oui, attendez, je vais courir, non? Je vous mets le lien Steam du jeu, etc. pour avoir toutes les infos. Je vous le remets dans le chat. Vous poussez ça, hein? Allez, let's go. Oh yeah. Tu es aussi forte que ton père quand je pense qu'il voulait un garçon. C'est sympa. Ne me regarde pas comme ça, je plaisante. Ah oui, parce que c'est très drôle. Je sais que c'était pas très drôle, voilà. C'était un peu bof quand même comme... comme blague. Ok, il y a une maison. Il y a 200 ans, tu aurais pu traverser en ligne droite. D'accord. Parce qu'il sait que la maison, elle date de 200 ans. Du coup, faut que je fasse ça. On passe sous la maison, ça me rappelle les chefs Baphomet où on passe sous la cabane, là. Ne lâche pas, ne lâche pas. Ah oui, c'est clair que si on se prend la maison sur la tronchetta, on est mort. Hein. C'est fini. Pfiou! On s'en est sorti, Dieu merci. Regarde! Il nous observe. Bah oui, Zim, me prennent la tête ceux-là, ça fait... Peu importe où je vais, ils me suivent. Il y a quelque chose qui cloche chez ce lièvre. Ah bon? Tu es sûr de vouloir le nourrir? Tu as du cœur, ça c'est sûr. On va tâcher de lui trouver de quoi manger. Bah ouais, ça serait cool. Alors attends, est-ce que je peux monter? Ouais, je peux monter sur l'échelle. Tu es comme Alice, avec un lièvre à la place du lapin. Je suis sûre qu'il a même pas de montre à gousser celui-là. Bah non, non, ça paraît compliqué. Ah, je vais passer par la cheminée. On est en mode Père Noël là. Attends. Comment je fais? J'essaie de sauter, ça marche pas. D'accord, alors donc... Ah ok, donc peut-être pas. Hein. Ok, moi je voulais aller en mode... je voulais passer en mode Père Noël. En mode Père Noël pour aller dans la maison, mais pas du tout. Ah, c'est toujours mon envie de voler les choses chez les gens. Hein. Ah, je me dis, elle a abandonné. On aurait pu aller checker ce qu'il y avait dedans. Ok, on va courir, ouais. Bon, la dernière fois qu'on a couru, on s'est cassé la binette. T'en as pas marre de t'enfuir, boule de poil?
On serait déjà amis si tu voulais bien t'arrêter un peu. Tu voulais le manger tout à l'heure, je te rappelle. Hein. T'es rapide, mais nous, on est encore plus rapide. Pareil, j'en doute. Hein. Bon, à travers les congères, on va peut-être un peu moins vite. Tu m'étonnes. Je me souviens qu'à l'hiver 1941, sur le front de l'Est, on s'était retrouvés coincés comme ça. Nous avions dû partir en reconnaissance à ski. C'était bien plus rapide et tout le monde pouvait avancer. C'est quoi ça? C'est des pommes de pin, j'espère? Ah, c'était le bon temps. C'est aussi là que j'ai écopé de ma blessure. Ils m'ont reformé à ce moment-là. Réformé, pardon. Tu connais la suite de l'histoire. Après tout, c'est toi qui m'as raccommandé. D'accord, donc elle a trouvé les moufles sur le front, on va dire. Ok. Et donc on saute. Et on ne saute pas. Sauter. Ah, si, ok, d'accord. Alors attends. Hop. Pas du tout. Est-ce que je peux courir? Pas. Absolument pas. Attends, peut-être que je l'ai mal collé. Pas du tout. Ok, c'est. Alors, j'ai su au clavier, vous savez tous à quel point le clavier, c'est la vie. Peut-être que c'est pas ça. Ah bah non. Ah bah si. Si, si, c'est ça. C'est ça, mais il faut que je pousse l'arbre. Non, pas du tout. Ouais. Ah, peut-être qu'il faut que je mette la caisse pour pouvoir pousser l'arbre. Ok. J'ai compris. Ok, donc du coup, si je fais ça... Et j'ai pas sauté, bien sûr, hein. Voilà, et là on pousse l'arbre. Bah, j'espère juste qu'on va pas devoir aller trop vite à certains moments parce que c'est vrai que ça peut être compliqué sinon de courir quoi. Enfin, avec les touches et tout, ça peut être compliqué à diriger. Ah, il y a une autre maison, est-ce qu'on peut piquer des trucs dedans? Non, on va s'accroupir. Je n'aime pas trop ça, moi non plus. C'était moi une. Ce qui compte, c'est que nous ayons survécu. Putain, la pauvre, elle est toute seule, quoi. Oula! Ça va, toi? Rien de cassé? Non. Mais ça m'a fait peur. C'est bien. On doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ah bah oui. On devrait fouiller un peu les alentours. En même temps, il n'y a pas grand-chose à fouiller. Alors, attends, il y a ça. On peut le pousser, je pense. Il ne bougera pas. Il faudrait quelque chose pour le casser. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour le casser? Ah, d'accord, ok, j'ai slidé. Quelqu'un vivait ici, on dirait. Ah, et là, on peut... Regardons de quoi il s'agit. Ah, moi j'aime bien lire les courriers des gens. Mon cher fils, j'espère que vous allez enfin retrouver la raison. Cette guerre ne vous apportera que mort et déception. Je me souviens que tu voulais protéger la petite Helga quand elle était brutalisée à l'école. Vous êtes maintenant de mèche avec vos agresseurs. Je crois qu'il y a du bon en vous et que vous ferez le bon choix. Tu nous manques déjà beaucoup à ta mère et moi, ton père Edric, ou en entre le vous et le tu, mais bon. La traduction, ça peut être compliqué. Donc ok, d'accord. Ok, on le prend. Bon, puisqu'il a acheté la lettre, bah, je pense que ça l'a saoulé. Peut-être après, il n'avait pas le choix aussi, hein, parce que c'est bien beau de dire « Ah oui, c'est du côté des agresseurs, mais bon. » Tous ceux qui se disent qu'aujourd'hui, ils seraient résistants, je pense qu'ils collaboreraient beaucoup. Hein. Alors, ça c'est quoi? Du pain sec! Ça fera l'affaire pour l'instant. Ok. On prend... Regarde, il y a quelque chose derrière le mur. Mais attends, il y a ça, non? Je peux pas prendre le... Essayons de déloger ces planches. Mais je veux d'abord prendre le légume. Oui, pour le lapin, non? Elle est bien conservée avec ce froid, c'est pas étonnant, tu me diras. Si on sort de là, on aura quelque chose pour attirer le lièvre. Bah voilà, yes. D'abord le lièvre, après les planches, hein. Ah, je peux me move... Ah ouais, ok. Comme ça... Est-ce qu'il y en a d'autres que je peux bouger, non?
Ah! Donc ça casse. Ok. C'est parti. Allez. Ah, on fait ça avec toutes les planches. Ok. Bah là, on peut passer large, non, je pense, hein, quand même. On ne veut même pas prendre de risques, mais... Pfiou ! Allez, encore une. Bon, parce que là, on passait, hein. Tu devrais pouvoir ramper là-dedans, maintenant. On va voir où mène ce passage. Let's go ! Alors, hop, hop. Oui, il y a une hache. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Fais quand même attention avec ça, hein. Ça reste une hache. Ok. Est-ce qu'on peut casser? Ah bah on va pouvoir casser du coup le truc là qui nous résistait. Du coup ouais, faut que je refasse ça. Et ouais, faut qu'on pète la planche. Maintenant, faut le pousser. Ah bah let's go, hein. Pfiou, c'est notre jour de chance. Oh yeah. Bon ça va, du coup on a un peu de pain pour nous et un légume pour le lapin. La vie. Va falloir faire attention à là où on met les pieds. Où est notre petite boule de fourrure? T'sais, dit-il pendant que moi je cours comme ça. Alors qu'il pourrait y avoir des mines et tout, hein, mais je cours. Hein. Pff, on s'en fout. Si on n'a pas de temps à perdre. Il fait froid et neige, on n'en peut plus. Ah, le voilà. Je crois qu'il ne nous a pas remarqué. Approchons-nous un peu pour lui proposer la betterave. Ça pourrait l'intéresser. Yes. Alors par contre, j'espère qu'il va pas se barrer. Moi je lui propose après. Oh non, ils ont tué le lapin! Il a dit bouge pas. Oh non! On va te mettre un coup de hache derrière la tête, toi, mais tellement. Oh, on peut pas lui mettre un coup de hache derrière la tête? Ah, dommage, j'aurais bien aimé, hein. Et il a un moment, il a dit bouge pas, mais en fait, j'ai bougé. Je pense que comme il a repris sa position, je pouvais bouger. Je suis à moitié cachée. Yikes. Mais il y en a combien comme ça? Beaucoup apparemment. Ah, c'est la guerre. Hein. Fais très attention. On doit surtout pas se faire attraper. D'accord. Le problème c'est que je ne sais pas de quel côté ils sont. Ah d'accord. Bah là normalement, si je passe comme ça, ça passe. Par contre, ça va être entre les fougères et l'arbre que ça peut être plus compliqué. Là il y a un monsieur là. Bah attends, compliqué là, non? Attends, tu vois ces lampes? Oui. Oh non, attends, il va falloir que j'aille vite en plus. Est-ce que j'ai le temps d'y aller accroupi ou pas du tout? Je pense que oui. S'il met autant de temps que ce qu'il fait là, c'est bon. Voilà, pile au moment où il met, je me suis dit, allez, tu peux y aller vite. Non. Non. J'ai eu tellement chaud. Comme par hasard, là, il passe pas 6 ans à regarder son truc, là. Non, là, c'est mort. Ok. Donc, on part du principe qu'il est très loin, bien sûr. Hein. Il est pas juste devant nous avec sa lampe torche. Là, j'ai peut-être fait de la merde. J'ai eu chaud aux fesses. Et j'ai eu chaud à mon petit fiac. Ah, une personne pendue, sympa. Ok. D'accord. Après, d'un côté, si on a un peu de civilisation, d'un côté c'est dangereux, mais de l'autre, on pourra peut-être avoir à manger. Parce que c'est pas 4 mètres de pain qui vont nous donner de la force pour notre périple. Hein. Mauvais move, hein, peut-être. Hein.
Non, pile poil. Il faut vraiment y aller pile poil. Ouf. Alors, je ne comprends pas l'allemand, bien sûr. Si quelqu'un comprend, n'hésitez pas. Et que vous entendez. C'est vrai que je suis curieuse de savoir ce qu'ils disent. Donc là, ils ont tous le dos tourné. Il faut que je pousse la caisse, en plus. C'est cool. Est-ce que je fais beaucoup de bruit? Bah, j'espère pas. Faut que j'escalade le truc là? Ah, je suis peut-être passée avec pour me cacher, je pense. J'espère. Attends, je peux faire quoi avec ça? Faut que je pousse? Ah non, faut que je monte. Je suis peut-être un peu beaucoup visible là, non? Apparemment pas du tout. Yes. Ok. C'était moins une. Je peux courir là ou pas? Je pense, hein. Ah. Nimsy! They spotted us. Run. Oui. Oh, mais c'est pas possible. Relève-toi, Micheline. Mais petite, c'est pas le moment de... C'est pas le... Est-ce que là... Là, on va être d'accord, c'est pas le moment de tomber? Nimsy! Là, j'ai le droit d'appuyer. They spotted us. Run. Putain, fallait que je saute sur le truc, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur le let's play du mec, il ne saute absolument pas au-dessus de la racine. C'est ouf, hein. Bon, du coup, bien vu dans Crad, mais... C'est très drôle. C'est-à-dire que genre, lui, ça marche, mais moi, ça marche pas. Bon, on a réussi à passer, c'est le principal. Oh my God. Mais ouais, ça serait bien que ça soit un peu mieux mis en avant. Enfin, on a compris qu'elle tombait, mais bon. Un peu mieux mis en avant pour dire qu'il faut... sauter. Il a peut-être fait une bêta. Peut-être. T'avoue que j'ai pas du tout regardé depuis quand, de quand date sa démo. Donc, enfin la vidéo qu'il a mise. Ok. Je sais pas s'il y a des moments. Ouais, là ça se voit que ça vente fort. Voilà, que là c'est bon. Ok. Est-ce que c'est possible un vent qui te... Oh là, attends, ça souffle encore beaucoup là, non? Un vent qui te pousse comme ça, je sais pas. Regarde, il y a quelque chose au loin. Je ne sais pas. Oui, alors je dois me cacher où? Je vais attendre un peu que ça passe. Il y a quelque chose au loin. Alors, j'ai un gros rocher là. Ouais, mais dans tous les cas, va falloir que j'y aille. Hein. Ok. Méga rocher. Alors, attends, il a dit il y a quelque chose au loin, c'est-à-dire... Ah, il y a une maison. Ok. Vas-y, on va courir. Ok. Oula, attends. Oh non!
Me dites pas ça. Ne me dites pas. Qu'il faut que je passe par là. J'ai peut-être fait de la merde, hein. J'ai été vite, j'ai dit nique. Oh là, je suis dans le trou. Je vais dans le trou. Adieu. Goodbye. Il est possible que je ne regarde absolument pas quand le vent souffle trop fort, hein, bien sûr. Je vais peut-être faire attention. Ce serait peut-être une bonne idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, attendez. Là, le vent souffle, on le voit. Le vent souffle sur les plaines, bien sûr. Dépêche-toi, Micheline, de te mettre derrière le putain de rocher. Je peux pas. Je vais essayer de rester contre le rocher, mais peut-être ça va pas marcher. Ouh là là, on a réussi. Je sais pas si on a feinté. Est-ce que je pourrais ouvrir, s'il vous plaît? Oh oui? Je vois personne à l'intérieur. Tu sais comment rentrer? Pas du tout, mais c'est pas chez moi, hein, donc je sais pas comment on ouvre. Alors attends, parce que... Ouais, faut que je mette ma souris là-dedans. Attendez. Parce que moi, m'aider au clavier, c'est pas le meilleur des délires. Pas m'aider. Diriger au clavier. Ok, il y a une planche. Intéressant. C'est intéressant. Sans deck. Il y a du vent là, hein. On va peut-être éviter de monter. Par le top peut-être. Essayons. Oui, bah t'attends 2 secondes parce que j'ai pas envie de décéder. Hein. Un passage, allez où? J'ai plongé, mais direct. J'ai dit, attends, il y a du vent. Bam, on plonge, c'est fini. Faut rejoindre la tribu d'Anna, exactement. Le vent peut te faire reculer un peu, c'est vraiment glacial. Ah ouais. Ouais, mais après, c'est vrai qu'elle est petite et pas très épaisse, donc... similaire à Little Nightmare ou autre jeu similaire, l'impression qu'il est moins intuitif. Ouais, après, bon. Encore une fois, c'est une démo, je pense qu'ils vont prendre plein de feedback et tout et voir ce qu'ils peuvent améliorer. Mais ouais, ça serait bien que ce soit un chouille plus intuitif. Et ou alors qu'au bout d'un moment, comme dans certains jeux, quand on meurt plein de fois... T'sais, ils te disent oui, tu peux peut-être faire attention à ça, t'sais, mais sans trop te diriger non plus quoi. Alors, il fait pas beaucoup plus chaud à l'intérieur finalement. Alors attendez, j'ai fait... Voilà, j'ai fait un truc pourri. Voilà, avec ma souris, ok. Au moins, on est à l'abri du vent. C'est sûr. Même quand t'es plus costaud, si t'as un vent à moins 20 dans la tronche, tu recules. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne sait pas combien ça vente et quel temps il fait et tout, quoi. Hey, you're pretty good at skating. Toi aussi, tu sais patiner. Dommage qu'on ait pas le temps. Alors, hop. Heureusement que quelqu'un a ramené ce meuble. C'est carrément le blizzard dehors. Ah! Il a dû tout manger et piquer un petit somme. Laisse le cafard tranquille. D'accord, ok. Il y a un cafard quelque part, on va le laisser. Là, il y a quoi? Des boucles d'oreilles. Ça m'étonne de les avoir trouvées là. Ouais, mais ça se revend. Ça se revend quand même. On met tout dans la poche, comme on dit toujours, et après on revend. On peut pas. Je vais t'écouter. Bah ça, il va falloir l'enlever. C'est vraiment bien barricadé. On devrait peut-être pas l'ouvrir. Si, moi je veux l'ouvrir. Moi je pense qu'il y a un truc très intéressant dedans. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Quand c'était à moins 40, tu partais. Oui, surtout qu'en plus, il a l'air de faire bien froid, donc ouais. Je comprends. Et c'est vrai que ça fait toujours bizarre de dire que, tu sais, un vent, ça peut te transporter comme ça. C'est vrai que c'est pas bien de fouiller dans les affaires des autres. Promis, on ne prend que ce dont on a vraiment besoin. Non. Non, moi je prends tout, moi. Ah, pour enlever les clous sur l'autre placard. Papa avait un ciseau comme ça. Il l'a utilisé pour fabriquer Caddy. On devrait le garder au cas où. Mais yes, on prend. La boîte est vide. Dommage, on va devoir fouiller encore un peu. Oh, donc quel dommage. Moi qui déteste fouiller. Elles sont mouillées. En plus, on n'a même pas de fusil. Des vêtements de bébé dans une cabane comme ça? Ça n'a rien à faire là.
Ah, c'est tout? Non, je peux le bouger, non? Pas le bouger. Ah si, je peux saisir. Ah d'accord, mais il n'y a aucun intérêt. Quoi. Ok, et celle-ci, je peux pas l'ouvrir. Mais par contre, ça va nous servir... à aller ouvrir ce truc-là. Ce ciseau devrait nous être utile. Oh yeah! Alors par contre, comment je fais? Ah, comme ça, ok. Ça a l'air de marcher. Et maintenant la deuxième. Encore un peu. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça a marché, bravo. C'est quoi dedans? Ah bah un chandelier, c'était nécessaire. On avait besoin de ça dans la neige et tout. Pas banal ce chandelier. Bah c'est sûr, ça peut bien se revendre hein, peut-être. On dirait des papiers. Je ne reconnais pas la langue. Espérons qu'il... on n'a pas le choix. Un papier est un papier. Ah, c'est pour faire quoi? Pour faire du feu? Bah du coup, il n'y a plus rien. Ok, donc c'était juste pour ça. Ok. Alors attendez, parce que du coup, il y a peut-être d'autres choses à voir, mais... Oh là là, le rat! La taille du rat, le rat est énervé. Elle a dû avoir aussi peur que nous. Ça reste à voir. Il nous a quand même bien fait peur. Hein. Ah, couteau! Je ne crois pas qu'il vienne de la cuisine. À ta place, j'y toucherai pas. Il est plein de peinture rouge, ça tâche. Ah, c'est peut-être plus du sang, non? Ok. Une tasse. Cette tasse pourra nous servir plus tard. Et bam, dans la fouille. Ok, on n'a plus rien. Ah, une tête de cerf, c'est sympa. On se marre bien ici, bien sûr. Là, on peut faire quoi? Et si on faisait du feu? On va devoir passer la nuit ici. Ton père t'a appris à faire du feu, tu te souviens? Mets d'abord le papier et ensuite le bois. Après, il n'y a plus qu'à allumer. Alors, on ne pourra pas faire de feu sans combustible. Oh, bah t'attends deux secondes, non pas? Alors, attends. On ouvre. J'ai du papier. On devrait essayer de fouiller un peu. Ah d'accord, il va nous mettre... Commençons par allumer la cuisinière et ensuite on s'occupera du reste. C'est trop froid. Ok, d'accord. Donc du coup, faut que je cherche tout et après... Et après, quoi. Il ne pèse pas tant que ça. Je me demande pourquoi le parquet grince comme ça. Parce qu'il y a un truc en dessous. Mais ça a ouvert un truc, ça. Mais quoi? Je sais pas. Attendez. Je vais essayer d'aller explorer là. Utiliser la tasse pour récupérer de la neige? En voilà une bonne idée. Une fois qu'on l'aura chauffée, on aura notre boisson chaude. Ok, c'est cool. Il y a ça. Il faut faire chauffer le fourneau avant d'aller s'asseoir. Tu vas mourir de froid sinon. D'accord? Alors attends, parce que là je suis passée dessus. C'est que t'es... Attends. Nickel. Ah, voilà, parfait. Hé, il y a une cave! J'aimerais bien voir ce qu'elle renferme. Bah nickel, on y va, let's go. Hein. Meilleur endroit où aller, dans les caves. Je veux dire, peu importe le jeu, peu importe la réalité, on est bon. Ah! Il reste des allumettes dans celle-ci, hourra! Cool! Est-ce qu'il y a autre chose? Oh non, on ne brûle pas les livres, hein. En plus, ils sont tous humides, ça ne risque pas de prendre. D'accord, et ça? Comme ça. Heureusement que Klavdia Viktorovna t'a appris à parler allemand. Tu crois que tu peux traduire? Vas-y, on essaye. De mars 1939, selon Ulrich, on devrait pouvoir attendre que tout ça se calme en restant dans la forêt. Nous vivrons dans cette petite cabane et personne ne pourra nous retrouver. Je m'inquiète. Alors, attends, plus. Cela fait presque... Alors, attends, c'était... Attends, le premier, c'était en mars. Ah ouais, en mars 39. Là, c'est en avril 1941, donc 2 ans plus tard. Ça fait presque 1 an que nous habitons ici. Ulrich chasse dans la forêt, je cuisine et je tâche de garder la maison en ordre autant que possible. J'ai l'impression que nous sommes parvenus à éviter le pire. Ulrich va en ville de temps en temps pour acheter de quoi tenir. Mon ventre s'arrondit de jour en jour. Donner naissance à un enfant ici risque d'être difficile, mais il est trop risqué de m'emmener en ville.
Je n'avais pas écrit depuis un moment. Une chose est certaine, la vie est pleine de surprises et pleine de miracles. Ulrich a réussi à faire venir son ami docteur pour aider à l'accouchement. C'est grâce à lui qu'Anna est venue au monde. Elle est si jolie. Bah, t'as surtout de la chance qu'elle soit en vie et toi aussi, mais bon. Donc, elle est née quand ? On ne sait pas. Ensuite, le 3 janvier 1942, l'hiver est particulièrement rude cette année. J'ai du mal à me lever, j'ai mal au ventre et j'ai des frissons. Ulrich est parti en ville il y a 3 jours pour aller me chercher des médicaments. Il ne s'était encore jamais absenté aussi longtemps. Ah ouais, peut-être que du coup, il est décédé, quoi. Sur le chemin... Je vais tenir le coup et la petite aussi, mais ce sera dur. J'essaie de ne pas penser à ce qui a pu se passer. N'y pense pas. C'est mieux. Yeah. Ah, c'est tout ? Attends, il n'y a pas d'autre... Non, mais... Victor have not taught you so much German. Can you translate it ? Oui. Attends, ça c'était... Non, mais on a compris ça. Ah d'accord, c'est tout, ok. Ah oui, donc ouais, après elle a dû ou partir ou décéder. J'espère qu'elle est partie plutôt. Hein. Ah, j'espère plus qu'elle est partie que décédée quand même. Ils ont l'air si gentils. Ah, on peut bouger ça. Ok, il y a peut-être un truc derrière du coup. Ah voilà. Je sais pas, faut que je fasse quelque chose avec. Ok, je peux pas le mettre plus haut. Là, je peux pas le mettre à gauche, je peux le mettre qu'à droite. Ça se trouve, ce que je fais ne sert strictement à rien. Hein. Je m'amuse. Hein. Il est fort possible. Là, il y a quoi ? De l'ersatz de café. Ça ne vaut pas un bon thé, mais ça fera l'affaire. Ah, bon, c'est très bien. Hop. Ensuite, c'est quoi ça? On peut pas bouger. Les bougies non plus. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Chut. Il faut pas réveiller un bébé qui dort. Laissons-les tranquilles. Je pense qu'ils sont morts, là. Ah, c'est hyper glauque. Ah ouais. Et c'est glauque quand même là. C'est toujours le journal. Ah ouais, donc elle s'est endormie, mais compliqué quoi. Par contre, du coup, j'ai quand même pas forcément grand chose. J'ai du café, c'est génial. J'ai du papier, mais j'ai pas de bois. Pas du tout de bois. J'ai les allumettes et j'ai le kawa. Bon, il nous manque plus qu'un truc. Là, il n'y a rien. J'essaie un peu de coller les murs pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai loupé. On devrait essayer de fouiller un peu. Il doit bien y avoir du bois quelque part. Ouais, bah oui, mais bon... Je sais pas, quoi. Là, je vais regarder partout, écoutez. Hein. Parce qu'en fait, ouais, il y a du bois, genre il y a des planches, mais elle en veut pas, donc c'est un peu chiant. C'est du bois, ça, non? Oh, on peut même pas choper les trucs... pas du bois, ça? Pas du tout, ok. Là, non. Et il y avait pas du tout de bois dans le placard? Pas banal. En fait, il dit juste c'est pas banal, mais c'est tout. Là, il y a rien. Le tiroir, il est cassé. Là, je crois qu'il y a rien. Ouais, il disait le cafard, on le laisse tranquille, mais je pense qu'il est décédé, le cafard. Là, il y a les boucles d'oreilles, ok. Donc là, on est d'accord, il y a rien. Après, il y avait la penderie. Mais la penderie, je crois qu'on a tout fait. Là, il y a rien. Ça, c'était vide. Ça, c'était des balles qui étaient... mouillé. Et au niveau du au niveau du carton, c'était des vêtements de bébé. Donc il n'y a strictement rien.
balles partout, hein. On peut décrocher le cerf, non? Truc horrible, on fait brûler la tête de cerf. Elle crame la baraque, un grand feu de joie et plus froid. Ouais, c'est ça, je te jure. Ah, mais à un moment, on va passer par des solutions extrêmes, hein. Ah, ah, ah. Ah, purée, je l'avais pas vue. C'est plus clair chez vous que chez moi, hein. Mettons le bois dans le fourneau. Ah bah oui, oui. Bon, bah au moins, je suis allée en bas avant, donc d'un côté, tant mieux. Mettons-nous au travail. Il fait sacrément froid ici. Bah, d'accord. Ah non, c'était le papier. Oui, je sais, ça va. Papier. Attends, comment je fais? Attends, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Attendez. Mais... Ah, le problème, c'est... Oh là, ok, d'accord. Et maintenant, le bois. Ok. Ça y est, tu peux l'allumer. Non, ça va être chiant, les allumettes, là, je crois, non? Non, c'est bon, elle a cliqué. Bon. Ah. Allez, encore une fois. Oh yeah! Et voilà, le travail. On a réussi. On se croirait presque revenu à la maison. Si seulement on pouvait aussi se préparer un bon café. Maintenant, préparons la boisson. Let's go. Bah, du coup, je crois que ça irait plus vite si on fermait la porte. Ah, bah, pas ce petit ton. Maintenant, plus qu'à attendre que ça fonde. Regardez-moi, ça fond en direct, si c'est pas beau. Et après, on va mettre dedans, non? Je pense que ça a assez fondu ou pas? Ça ne bout pas encore, attendons encore un peu. Ah d'accord, faut attendre que ça boue, ok. Il ne reste plus qu'à ajouter du café. Ok. Noir comme le charbon et chargé d'arômes. Attention avec cette tasse, c'est chaud. On devrait s'installer dans le fauteuil à bascule. Mieux vaut ne pas trop se déplacer quand on transporte de l'eau bouillante. Ok. Ah, c'est un petit peu plus joli quand même, ça fait plaisir, ouais. On y voit plus clair et c'est, du coup c'est plus joyeux. On va enfin pouvoir se reposer. Sors le pain sec. Elle a dû sentir l'odeur. Tu veux nourrir notre petite colocataire? Bah oui. C'est une bonne décision. Après tout, la souris aussi a le droit de vivre. Bah, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une mauvaise situation. À quoi ça sert d'être égoïste? On pourrait peut-être rester là tous les trois jusqu'au printemps. Ouais, c'est pas con, hein. Imagine un peu, un bon feu, les oiseaux qui chantent. Tu t'assoupis sur la chaise à bascule pendant que je me réchauffe près du fourneau. Ah non, je plaisante, on a autre chose à faire. Allez, ressors la lettre, je veux la relire. La lettre de tout à l'heure ou la lettre, une lettre à nous qu'on connaît pas? Ah pas du tout. Mes très chères Katia et Asia. Ok, donc faut savoir qu'elle s'appelle Asia, la petite, hein. Les mots ne sauraient exprimer à quel point vous me manquez. Ah oui, ok, j'ai cliqué sur autre chose. On peut manger la souris après. Pas faux, mais la pauvre quand même. Et si on n'a pas mangé le lapin, on mange pas la souris. Hein. Attention. Du coup. Nous nous portons bien, les Allemands n'ont pas encore atteint le village, il nous reste du pain et du lait frais. Que demander de plus? Ce doit être si dur pour vous, coincé dans un pays étranger. Cependant, je suis heureuse que vous soyez vivante et que vous puissiez nous donner des nouvelles. J'espère que ce cauchemar prendra bientôt fin. Nous vous envoyons tout notre amour et vous attendons avec impatience au village. Grand. En quoi? Grand, on ne sait pas. Grand bisou. Oh là, ça pue là. Oh. Bah, je pense qu'il va falloir aller se cacher, hein. Merci d'avoir joué à la démo de Thornway. La version complète du jeu sera publiée au début de l'année 2023. Eh bien écoutez, c'était très sympathique, à part, c'est même pas un bug on va dire, à part le fait que c'était pas forcément très explicite le fait de devoir sauter au-dessus, quoique, après, c'est pas explicite, je pense que c'est pas explicite pour moi, ça doit être explicite pour d'autres, mais du coup peut-être faire un juste milieu,
Et puis, mais sinon, c'est sympa. Après, ouais, c'est un peu. J'espère qu'il y aura le contrôle à la manette parce qu'au clavier, c'est un petit peu bof. Mais voilà. Mais du coup, c'était très sympathique. Et puis, bah, on verra quand le jeu sortira. Mais ouais, j'ai hâte de voir les aventures d'Asia et de voir bah, est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas, quoi. Voilà.